rappelle, est-ce que Chantal est venue porter le chèque du loyer? Non. Puis il n'est pas dans le courrier non plus. Mais t'es encore en retard, là. Tu veux-tu que je téléphone? Non, je vais le faire. François avait raison. Être propriétaire, là, c'est pas mal plus de trouble qu'être locataire. Il n'y a pas un mois où elle a payé à temps. Je te ferai remarquer que c'est toi qui l'as choisi, hein? Moi, j'ai trouvé un petit air bizarre. Hey, une minute, là. On était d'accord tous les deux. Non, c'est sûr là, qu'elle finit toujours par payer, là, mais ça y vient pas automatiquement. Bon, on la mettra dehors en juillet, puis on en prendra un autre. Mais non, Isabelle, tu peux pas mettre dehors quelqu'un comme ça, là. Non, un locataire, ça a quasiment plus de droits qu'un propriétaire. Faut quasiment qu'il démolisse les murs, les fenêtres, les balcons avant que tu puisses faire quelque chose. Ah, bon. Puis elle est pas si pire, là. Elle est pas vite sur le loyer, c'est tout. Mais, bon, mais quand tu y téléphoneras, là, tu diras que si elle veut s'en aller, là, on la retient pas. Puis j'ai peut-être déjà trouvé quelqu'un pour la remplacer. Ah oui? Qui ça? Marjolaine. Marjolaine, notre Marjolaine à nous autres? Marjolaine oui. De la clinique? Oui. Tu sais que tu dis là, là? Hé, hey, les gars, vous voyez jamais rien. À la soirée salsa, l'autre soir. Parle-moi pas de ça, OK? Ben, si t'avais pas bougonné de la soirée, t'aurais remarqué que Marjolaine trouvait le voisin de Gabriel pas mal de son goût. Voyons donc, ça veut rien dire, ça, Isabelle. J'ai bien dansé avec Maud, moi. Ah, ah, ah. C'est toi-même qui disais que ça allait pas bien avec Jean-René. Pas bien, pas bien. Il s'aime, là. C'est sûr que c'est pas facile. Les études en médecine vétérinaire, c'est du temps plein et demi, puis tu le sais. Ah ben ça, ça veut rien dire. L'intuition féminine, mon cher, l'intuition féminine, ça, ça trompe pas. Ah oui? Puis qu'est-ce que ton intuition te dit au sujet de la locataire? On la met dehors. Oh! T'as-tu entendu ça? Vu Sarah? Non. Elle m'a appelé hier pour me dire qu'elle pouvait pas me ramener. J'ai pris le boss. Elle n'est pas rentrée. Elle va avoir une sortie. Elle va sûrement arriver pour les cours. C'est bizarre, on avait une corvée de bouffe hier soir, puis elle m'a même pas téléphoné pour m'avertir qu'elle serait pas là. Hey, si t'en as trop, puis elle rentre pas, gêne-toi pas pour m'en donner. J'aurais dû m'arranger pour avoir un coloc qui s'est cuisiné. Moi, je suis pourri. Sébastien, ben, il est pire. Tant pis pour toi. T'as eu ta chance l'année passée. T'aurais pu rester avec le meilleur cuisinier de la classe. Fait que, hey. Je le sais. Y'a pas une journée où je pleure pas en mangeant mon ragoût de boulette en canne. Je pourrais avoir un coloc qui sait faire à manger pis qui s'inquiéterait de moi quand je rentre pas le dimanche soir comme prévu. Je sais pas s'il s'inquiéterait toi autant qu'il s'inquiète de Sarah. Bon, c'est correct, là. Comme ça, je vais dîner chez toi. Hein? De quoi tu parles, là? Je parle de manger. Depuis tantôt que je te parle de bouffe, tu m'écoutes pas ou quoi? Il est trop inquiet pour Sarah. Ben tiens, tu peux arrêter de t'inquiéter, elle arrive. Oh boy! Gros party! Pour moi, t'auras pas ben faim à midi. Je sais pas si je te l'ai dit, Jean-René, mais si t'en as trop, je peux aller manger. Ça va? Ça va. Je suis sûr qu'elle aura pas faim. Il est en don fatigant. Tu viendras dîner chez nous si t'as rien à manger. Yeah! Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai attendu toute la soirée. Plus tard. Pourquoi? On dirait que t'as passé la nuit debout. Moi, je serais pas capable de suivre un cours de la journée si tu me dis pas ce qui est arrivé. J'ai laissé Charles. Salut, ma belle. Allô? Hein? J'ai des biscuits. Merci. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des barres granola. Oh, Jean-René nous a apporté ça en fin de semaine. Ah, non, non. C'est Maud. Pour que ce soit Jean-René qui a apporté ça ici, il aurait fallu qu'il travaille. Je comprends pas. C'était son tour en fin de semaine. Oui, mais c'est Ben qui l'a remplacé. Lui, il est resté à Saint-Hyacinthe. Ah! Oh. Oui, ah. Oh. Il m'a même pas appelé moi, là. Il a appelé Ben. En plus, il m'a même pas téléphoné de la fin de semaine. Il peut être très occupé. Ça. Jean-Jean, à propos, j'ai écouté des messages en arrivant. Il y en avait un pour toi. Il aimerait ça que tu le rappelles. Un dénommé Martin. C'est qui, ça? Martin? C'est un ami à Gabriel. Je l'ai rencontré en fin de semaine. Ah bon? Il
n'imagine rien, là, OK? J'avais juste envie de me changer les idées, c'est tout. Puis une bonne petite soirée de danse, c'était parfait pour ça. Bien sûr. Bien sûr, certain. Dis rien, je sais que je suis encore en retard. Il y a eu un accident dans le métro. Je sais. J'ai écouté la radio. L'accident est à 8h45. 15 minutes après l'heure où tu es supposé commencer à travailler ici. Alors, moi, je me demande qu'est-ce que tu faisais dans le métro encore à ce moment. T'aimes ça avoir raison, toi, hein? Si, j'aime bien avoir raison. Aussi, j'aime pouvoir compter sur les gens avec qui moi je travaille. Avant que tu arrives ce matin, j'ai recommencé les bords de toutes les robes que tu as faites hier. Pourquoi? Les plis étaient partout. Il était correct, mes bords. T'as pas d'affaire à mettre ton nez dans ma job. Je suis en charge de l'atelier. Je suis responsable de la qualité de tout ce qui se fait ici. Ben, c'est ça. Si tu veux que je travaille, laisse-moi donc tranquille. Bonjour, Pamela. Est-ce que Pascal est là? Oui, il est ici. Mais il reçoit des représentants pharmaceutiques seulement sur rendez-vous. Je vous l'ai déjà dit, il me semble. Tu sais très bien qu'il fait exception pour moi. Il faut que je lui parle tout de suite. C'est possible. Il est en consultation. Bon, c'est pas grave. Tu lui diras que je l'attends dans le bureau. Non. C'est le docteur Martineau qui travaille dans le bureau présentement. Attendez le docteur Constantin ici, comme tout le monde. Ici, M. Savoie. Pascal, il faut que je te parle. Marlène, ben oui, d'accord. Mon Dieu, ça a l'air important. Ben oui, ça a l'air important. Je suis à toi dans une minute. Pamela, peux-tu donner un rendez-vous à M. Savoie avec le Dr Pelletier? C'est pour une arthroplastie de la hanche. Mm-hmm. Merci, Dr Constantin. Au revoir, M. Savoie. Viens, on va aller dans le bureau. On peut pas. Louis est là. Martineau? Ben non, il est en chirurgie. Vendredi, 11h. Ça vous convient? C'est parfait. Bon, bon, c'est ça. Alors, on vous attend vendredi? À vendredi. Bonjour. Bonjour. Hey, qu'est-ce qui se passe, Marlène? T'as l'air complètement dépassée. C'est épouvantable, Pascal. J'ai perdu mon emploi. Oh. 15 ans au même endroit. 15 ans à me donner corps et âme pour une compagnie. Et comment est-ce qu'on me remercie? En me congédiant. Ils t'ont même pas donné de semaine d'avis? Pas du tout. Est-ce que t'es la seule à te retrouver au chômage? Non, non, on est plusieurs. On a tous été victimes d'une ventilation de la masse salariale. Ah. C'est comme ça que les patrons ont expliqué leurs gestes. Ils doivent avoir payé une agence de marketing une fortune pour trouver une expression pareille. Une ventilation. Écoute, Marlène, je suis désolé, je sais pas quoi te dire, là, mais il me semble qu'avec l'expérience que t'as, les contacts, tu devrais te retrouver un emploi dans une autre compagnie très rapidement. Parce que tu penses que j'ai encore envie d'être représentante? C'est ce que t'as toujours fait, non? Pas du tout. Non, j'ai pratiqué quelque temps avant, et comme j'en ai gardé de bons souvenirs, c'est ce que j'ai l'intention de faire de nouveau. Quoi? Pratiquer? Oh non, Marlène. Tu y penses pas? Non, mais t'es pas au courant des nouvelles techniques. Ouais. Non, t'as pas fait de chirurgie ni de consultation depuis des années. Mm. T'es dépassé. Il va falloir que tu prennes des cours, de la formation, que tu te refasses la main. Non, t'es complètement rouillé. Ouais. Non, mais c'est beaucoup de travail, ça. Mais je le sais, Pascal. C'est pour ça que je suis ici. J'ai besoin d'aide. Tu veux que je t'aide? Tu veux que je te prête des livres? Non. Non, je veux que tu m'engages. Je veux travailler ici. Oh non! C'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a? Mon rendez-vous est pas ce matin. Hein? Quoi? Oui, il est ce matin. Asseyez-vous, ce sera pas long, Madame Vigée. Oh. Ah, Louis, merci, mon Dieu, t'as fini. Il y a une urgence. OK, c'est quoi? Il est à la réception? Non, dans le bureau. Dans le bureau? Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est pas une urgence médicale, c'est une urgence professionnelle. Il faut absolument que t'empêches le docteur Constantin de succomber à la jument. Il y a une jument dans le bureau. Reste pas là, hein? Il faut agir vite. Ben oui, mais Pam, je comprends plus rien, moi, là. Va dans le bureau, tu vas comprendre tout de suite. Envoye, grouille!
Voyons, Pam, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air complètement bouleversée. Si tu savais. Et alors? C'est impossible, Marlène. La clinique n'est pas organisée pour faire de la formation. Les gens qui travaillent ici doivent être productifs. Je sais tout ça, Pascal. C'est pour ça que je ne veux pas être payée pendant mes semaines d'apprentissage. Ça va être comme un stage. Tu travaillerais gratuitement? Mm-hmm. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il y a une urgence avec une... Bonjour, Louis. Bonjour, Marlène. Mm-hmm. Ah, ben, je pense que je me suis fait avoir quelque part. Excusez-moi. Okay? Non, Martino, Martino. Reste, reste. Marlène a une proposition très intéressante à faire pour la clinique. Assieds-toi. Vas-y, Marlène. D'accord. Bon, pour faire une histoire courte, je suis au chômage depuis ce matin. Je veux plus travailler comme représentante et j'ai demandé à Pascal si je pouvais travailler ici. Gratuitement. Exactement. La compagnie m'a congédié, mais en me donnant une bonne compensation. Et pour l'instant, le temps de me refaire la main, j'ai proposé à Pascal de pratiquer ici sans être rémunéré. Qu'est-ce que t'en penses? Un vétérinaire bénévole à la clinique. T'as intéressant, là? C'est que... Ça fait combien d'années que t'as pas pratiqué? Martino, c'est une consoeur dans le besoin. C'est notre devoir de l'aider. Pourquoi t'es pas allé chez Étienne Raymond? Il te prendrait sûrement, lui, puis avec beaucoup de plaisir, hein? Non, j'aime Étienne, mais bon, je suis incapable de travailler avec. Et puis, vous êtes bien meilleur vétérinaire. Non, Étienne est bon, mais il est pas très patient. Et puis avec le docteur Pelletier, ici, en chirurgie, j'apprendrai beaucoup plus vite. Je connais beaucoup de cliniques, beaucoup de vétérinaires, mais c'est vous que j'ai choisi. Bon, c'est très flatteur, là, mais on n'a vraiment pas le temps. On va prendre le temps d'examiner la proposition de Marlène, OK? Merci. Bon, ben, j'ai des chirurgies à faire. On se revoit tantôt, OK? J'ai l'impression qu'il veut pas de moi. Ta proposition est très intéressante et puis il va s'en rendre compte. Tu serais prête à commencer quand? Ben, le plus tôt possible. J'ai des années à rattraper. On va t'arranger ça. Oh, Pascal, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Fred, arrête de paniquer, ça va être prêt. Puis ça va être beau. Mais je sais pas ce qui s'est passé, je vais vérifier. OK, OK, je te rappelle. C'est Fred. Il est pas content de sa dernière livraison. Il sera pas content de le sautre non plus, hein? Ben, c'est le fun de le savoir en avance. Hein? Je vais me préparer mentalement à me faire engueuler. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'y travaille avec une incompétente Santa Maria. Voilà ce qui se passe. Oh, t'exagères pas un peu. Les dernières robes étaient pas... La dernière robe? Je les ai toutes recommencées, une par une. C'est pour ça que j'ai du retard. Quand c'était une situation temporaire, OK, je pouvais me taire et me résigner. Mais maintenant, Kim ne va pas revenir. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Il faut mettre l'autre dehors. Hein? J'ai des noms. Mais pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas demandé mon avis tout de suite? Ben, voyons, on se calme, là. Moi, je trouve que c'est mieux si... Non, c'est elle ou moi. Oh, pris entre Fred puis toi, je suis toujours en pleine tragédie grecque. Je suis italienne. Imagine-toi donc, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien, j'adore l'Italie. Elle est encore arrivée en retard ce matin. Elle travaille mal. Elle est paresseuse, impolie, désagréable. Yasmine, je suis très sérieuse. Si vous la gardez, c'est moi qui pars. Lina, la dernière collection de Fred est déjà en retard. Il est au bord de l'hystérie. Jade Couture va appeler d'une journée à l'autre pour savoir où en est sa collection. C'est pas le bon temps. Non, tu as raison. C'est déjà au mois trop tard. Avez-vous cinq minutes? Oui, je vois. Veux-tu un petit bonbon? Non, merci. Je veux pas qu'elle vienne travailler avec nous autres, puis je suis pas le seul. Pamela est incapable de la sentir depuis qu'elle a voulu devenir la maîtresse du docteur Dufour. Mais oui, mais Martino, c'est fini, ça. Pense-y, un employé qui coûte rien. Un employé qui rapportera rien non plus. Ben oui! Ben non! Ça fait des années qu'elle n'a pas pratiqué. On pourra pas la laisser toute seule, là. Ça va nous donner de l'ouvrage de plus. Puis en plus, on va être pris avec Étienne Raymond. Pas du tout. Ah non! Non. Non! Non! Pensez-vous sérieusement qu'il sera pas rendu ici tout le temps pour venir la voir? Ben non! Ben voyons donc! Non! J'ai une entente avec Marlène.
Marlène va travailler ici, mais je ne veux pas voir Étienne Raymond. C'est ça la condition. Qu'elle aille ailleurs! Martineau, je te rappelle que j'ai fait la même chose avec le docteur Pelletier pour toi. C'est complètement différent. Vous l'avez engagé parce que je voulais partir. On avait besoin de Maude, on n'a pas besoin de Marlène. C'est gratuit, Martineau. Gratis. OK, OK. Mais moi, j'ai pas le temps de m'occuper d'elle. C'est vous qui êtes responsable de son stage. Pas de problème. Puis c'est vous aussi qui allez avertir Pamela. Ben non, Pamela, c'est pas des affaires, Pamela. Ben... Dites-lui. Non, non, mais Martineau, comment est-ce que tu veux que je... Tout... Moi qui commence à m'énerver, lui. J'en ai assez pour deux, si tu veux. Non, merci, j'ai pas faim. Pourquoi tu vas pas te coucher? Tu prendras mes notes de cours. T'écris ben trop mal. Je suis sérieux, ça n'a pas d'allure. Je suis certain que t'es incapable de te concentrer. Là, ouais. Va te coucher, puis tu prendras les notes de cours de Julie si les miennes font pas ton affaire. J'aime mieux rester. De toute façon, je serais pas capable de dormir. Qu'est-ce qui t'énerve tant que ça? Le pire est fait, là, c'est fini. Je le sais. Mais c'est pas facile. Il s'y attendait pas du tout. J'ai fait tellement de peine. J'ai de la peine, moi aussi. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Tu l'aimes plus. T'es pas pour rester avec juste pour pas lui faire de peine? Hein? T'as raison. J'ai toujours raison. Il va s'en remettre. Crois-moi. C'est l'expérience qui parle? Oui, madame. On se fait sacrer là assez souvent pour savoir qu'on n'en meurt pas. Ça fait très mal. On n'en meurt pas. On dirait que t'es un expert. Presque. Ça m'est arrivé au moins 3 fois. La pire fois, c'était avec Suzy. Se faire sacrer là pour un autre, là, on dirait que c'est pire. Je pense que c'est une partie du problème. Charles est convaincu que je le laisse à cause de toi. Quoi? Voyons donc. Il n'a pas complètement tort. Mais tu le laisses pas pour moi partout. Tu me dis que ça faisait au moins 1 an là, que ça allait plus. J'ai rien à voir là-dedans. Là. Ben non, c'est ça. Devrais-tu me sentir responsable de quelque chose? J'ai jamais dit ça. C'est ma vie, c'est ma décision. T'as raison, c'est pas de tes affaires. Sarah! Ah! Je suis désolée. Je suis venue dès que j'ai pu, mais je sais pas ce qui se passe ce matin. C'est plein de clientes. Et des clientes cachettes. C'est fun que tu sois en forme parce qu'il y a une grosse job qui t'attend. Ah oui, quoi? Faut que tu mettes Véronique dehors. Sinon, c'est Lina qui s'en va, elle n'en peut plus. Ah oui, mais là, je sais bien que c'est pas les gros chars, mais ils peuvent peut-être s'entendre, non? Parle à Lina si tu veux, mais j'ai l'impression qu'elle a raison. Écoute, elle est obligée de reprendre à peu près tout ce que fait Véronique. Mais là, la mettre dehors, j'ai jamais fait ça de ma vie, moi, mettre quelqu'un dehors. Je sais pas comment on fait. Oh, j'ai une idée. Viens avec moi. Mais oui, ça va faire plus sérieux. Oh, non. Je suis pas associée dans l'atelier, moi. Hein? Je viens de me taper Lina en furie. Fred au téléphone le matin, non. J'ai fait ma part. Mais oui, mais la mettre dehors. Écoute, ma belle, t'as pas le choix, elle est pas douée. À manier la machine à coudre avec autant de délicatesse qu'un marteau piqueur. Ben oui, je me vois en train de dire ça. Mais tu vois, c'est mieux que ça soit toi qui la mette dehors, parce que moi, ménager les sensibilités, c'est pas mon fort. Ouais, t'as raison. Je connais personne d'aussi pourri que toi pour ça. C'est du saccage! Mon Dieu, du massacre! Hey! Où c'est que vous avez appratoyé, vous, au Sierra Leone? Faites-vous ça à la machette ou quoi? Hein? C'est effrayant faire ça de la soie. Je vous interdis, vous m'entendez? Je vous interdis de toucher à un autre de mes modèles. Puis donne-moi ça! Calme-moi ça. Regarde. Un torchon, une guenille. Ça donne quoi de se tuer à dessiner des chefs-d'œuvre pour qu'une... une iconoclaste pareille les gaspille? C'est de la négligence criminelle. Du meurtre au premier degré, vous devriez être pendu par les pieds, brûlé vive. Hey, minute, là. Priscilla, la reine du désert. Priscilla? Alors, tenez-moi quelqu'un, moi, il fait avaler sa machine à coudre. Ça aide pour voir. Ah oui, penses-tu, toi? OK, on se calme. Hein? Calme-toi, pense à ton âge, là. Ben oui, calme-toi. OK. Jasmine, tu le sais, je vous aime beaucoup. Mais je peux pas endurer ce qu'elle a fait à mes modèles.
Ou ben donc, c'est Lina qui travaille en exclusivité sur ma collection, ou ben donc, je vais aller la faire faire ailleurs. Vas-y donc, ailleurs. Oh, oh la chipie! Oh, tête! Non, 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 tête! 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 Non, chez moi, non, chez moi, il faut que j'aille l'étrangler. T'es pas bien? Maudite grande folle finie, c'est quoi ton problème? OK, 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 okay là. Là, ça suffit, là, tu me suis. Là! Allez! Tiens! Non, à votre été, je vais finir. Écoute, j'ai arrivé à faire de m'ordonner, je sais pas ce que j'y aurais fait. Là, je suis là, je suis tout étourdi. Oh, folle finie! Tu vas pas me mettre dehors à cause de lui? C'est pas à cause de lui, c'est à cause de toi. À cause de moi? C'est lui qui a commencé? Gaffe, Fred a rien à voir là-dedans. Tu fais pas l'affaire. T'es pas une bonne couturière, tu fais pas du travail soigné. Puis là, c'est la réputation de l'atelier qui est en jeu. Ça fait que je vais te payer pour cette semaine puis la semaine prochaine, mais tu t'en vas tout de suite. Ben, j'ai mon voyage. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Ben oui, c'est ça. Hey, c'est facile, hein, de mettre les autres dehors quand on est comme toi. T'as pas à t'en faire pour les autres, t'as tout. Ben, laisse-moi dire que t'es bien chanceuse d'avoir une place pour vendre tes horreurs. Parce que personne voudrait les prendre dehors. Je veux mon cash avant. J'ai ton adresse. Je vais te l'envoyer. T'es mieux. Je viens de mettre mon premier employé dehors. J'aime pas ça pas en tout. Bon débarras, Cruella! Yes! C'est toujours la même chose. On s'en occupe pas. Toi, tu t'en occuperas pas, mais moi, là, je vais devoir travailler avec elle. T'enverras Nancy? Ben oui, c'est mon genre encore de refiler les problèmes aux autres. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Ça va être comme une stagiaire, c'est tout. Puis elle est intelligente, elle va apprendre vite, puis après ça, là, bye-bye! Ouais, elle est mieux d'apprendre vite, parce que j'en connais une qui va avoir l'air bête bien longtemps. Mais quand? Elle est même pas restée dîner avec nous autres. Ben oui, mais Pamela aussi est intelligente. Là, c'est sûr, elle est encore un peu fâchée, là, mais... Mais ça va s'arranger. Mmh. Ah, puis pourquoi c'est tout le temps moi qui dois se faire engueuler à cause des problèmes de Constantin? Je t'en ai, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Mmh. Pamela, elle t'avait demandé d'empêcher Constantin d'engager Marlène. T'as rien fait? Wow, Pamela m'a rien demandé. Elle m'a envoyé dans le bureau en me disant qu'il y avait une urgence sans m'expliquer pourquoi. Oui, un coup rendu là, qu'est-ce que t'as fait? Ben oui, mais je pouvais-tu savoir, moi, que la grande jument, c'était Marlène? Puis d'ailleurs, comment ça se fait que Pamela savait qu'est-ce qui se passait dans le bureau? Pamela, là, elle a un don. Oui, je veux bien croire, là, mais... Mais quand même. Laisse faire, là. Je vais y aller, OK? Pascal Constantin! Est-ce que tu veux encore être vraiment? T'as fait exprès, hein? T'as fait ça juste pour m'écœurer! Elle veut pas travailler avec toi. Voyons donc. Puis moi, là, ben, je la comprends. Qu'est-ce que tu y as pas mis pour qu'elle travaille ici? Je lui ai dit qu'elle ne verrait pas en face. Oh! Qui te l'a dit qu'elle avait perdu son emploi, hein? Qui? Elle-même. Oh! Puis c'est elle-même qui m'a demandé de la prendre. Oh, oui. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux? Elle a choisi la meilleure clinique pour se refaire la main. Ici, elle va apprendre à pratiquer. Pas seulement à vendre du shampoing puis de la moulée. Tu m'as joué dans le dos! C'est impossible qu'elle veuille pas travailler avec moi. On sort ensemble. Je suis son chum! Raison de plus. Écoute, je veux que tu l'appelles, là. Puis tu lui dis que tu peux plus l'aider. T'as repensé à ton affaire, ouais, tu t'es rendu compte... Question. Je lui ai dit qu'elle pouvait commencer quand elle voulait, et c'est ça qui va se passer. C'est chez moi qu'elle va travailler. Ça me surprendrait. C'est ce qu'on va voir. Garde la main aller, mon petit bonhomme. Oh, lui, oh! Coudon, t'es toujours dans mes jambes, toi? Fais donc attention si tu mets pied. Oh, merci,
Merci beaucoup pour les dîners. Tante grazie. C'était délicieux. C'est rien, Lina. C'est pour te remercier d'avoir enduré la Véronique aussi longtemps. Mamma mia. Ouais, je pensais vraiment pas qu'elle était aussi éveillée. Puis je pensais pas que t'étais aussi patiente, toi. Oh, je suis très patiente, je l'ai toujours dit. Un ange. Un ange avec des doigts de fée. Ah. Calme-moi ça, c'est beau. Oh, je suis assez content que la maniaque soit partie, là. Surtout que tu l'as attaqué à grands coups de bobine de fil. Parle-moi-en pas. Je suis encore tout à l'envers, mais je suis contre la violence, moi. Ouais, t'essaies-tu de nous faire croire que tu regrettes? Ben, comment? J'ai énormément de regrets. Ah, de rue, je regrette de ne pas l'avoir pitché en bas des marches après y avoir crevé les deux yeux. Ah, oh. Ben non. Juste enfargé, puis juste un œil. Bon, mais va falloir se mettre sérieusement à trouver une nouvelle couturière, hein? Lina, t'avais pas dit que t'avais des noms à nous suggérer? Oh, bien sûr. Elle est beaucoup meilleure que cette Véronique. Hein? Non, mais ça, c'est pas bien dur, cher. Mais là, en attendant, qu'est-ce qu'on fait avec ma collection, là? On va faire notre possible, mais c'est sûr qu'on va avoir du retard. Alors, si t'as envie d'aller ailleurs, mais on va comprendre. Bah, ben, j'ai pas le choix. Désinfecter le siège de la folle, le passer du push-push sur sa machine, j'arrive. On va travailler ensemble? Oui, cher, mais je vais travailler exclusivement sur ma collection. J'utiliserai pas mes talents au service des modèles de quelqu'un d'autre. C'est parfait! Alors, déroulons le tissu. Apportez-moi des ciseaux. Vous allez voir comment travaille le maître de la verge. Qu'est-ce que c'est? Laisse faire, chère, c'est une joke. Votre prochain rendez-vous, M. Lambert. Merci bien. Bonne journée. Merci. À la prochaine. Bonjour. La prochaine consultation est à quelle heure? Le cahier de rendez-vous est là. Change d'air. J'en durerai pas ça ben longtemps. Est-ce que c'est écrit dans mon contrat qu'il faut que je sois de bonne humeur en tout temps? C'est toujours moi le patron. Si ton comportement fait pas mon affaire, là, y a rien qui va m'empêcher de te le dire. C'est ça. Dites-le. Écoute-moi bien, Pamela. Ta jalousie vis-à-vis de Marlène est complètement injustifiée. Le docteur Dufour vient pratiquement jamais à la clinique. Non, j'ai pas peur du tout que Jean-Claude succombe au charme de la grande jument. Ben. C'est fini, ça. Mais vous, là, je trouve que vous manquez totalement de considération. C'est une femme. Une femme qui m'a causé beaucoup de peine, qui a essayé de voler mon mari, puis vous m'obligez à la côtoyer tous les jours. C'est épouvantable, ce docteur Constantin. Vous manquez de cœur. Ben, exagère pas, là. Je me demande comment Joanne va trouver ça, elle. Elle non plus, c'est pas une grande fan de la vieille picouille. Joanne, c'est pas de ses affaires, pas de tes affaires, ça, Joanne. Bon. Et puis, non. Ça, c'est une situation temporaire. Il va falloir que tu t'y fasses. C'est un très bon coup pour la clinique. C'est de la main-d'œuvre de qualité. De qualité? Vous savez même pas ce qu'elle vaut. Ouh, je commence à en avoir assez que tout le monde doute de mon jugement. Marlène va venir faire son stage ici, puis ça finit là. C'est quoi mon prochain rendez-vous? Je serai jamais capable de l'endurer. Constantin? La Quarter Horse. Elle sera pas ici bien longtemps. Il y a même pas de contrat de signer. Là, si on voit que ça dérange trop, on arrête tout. Il me semble que ça aurait été moins compliqué de rien commencer pantoute. C'est pour ça que je t'ai envoyé dans le bureau un matin. C'était une urgence. Là, c'est une catastrophe. Es-tu en train de me dire que j'ai encore manqué d'autorité avec Constantin? Non. Je suis juste déçu que t'aies pas réussi à le faire changer d'idée. Ouais, mais quand Constantin a la chance d'avoir quelque chose de gratuit, là... Même le plus habile des négociateurs réussirait pas à faire changer d'avis. En tout cas, vous pouvez être sûr que je lui rendrai pas la vie facile. Elle va voir que quand je décide de pas être dadon, je suis difficile à battre. Puis ça va être la même chose avec le docteur Raymond. Je suis fini d'être fine. Il est mieux de pas venir la voir trop souvent, hein? Non, certain, parce que je lui ferme la porte au nez. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose de bon dans le cas de Marlène, là. C'est qu'Étienne Raymond ne vienne pas la voir ici à toutes les deux minutes. C'est Constantin lui-même qui a imposé cette condition-là. Puis moi, je suis sûr, là, qu'elle va tout faire pour qu'il reste à son bord de la rue. Tu penses ça, toi? Je suis sûr. Mais voyons, Marlène, c'est ridicule! Étienne, calme-toi. Me calmer! Comment tu penses que je me sens, moi? Hein? Tu préfères venir travailler ici chez mon compétiteur direct? Au lieu de chez moi, hein? Je vois pas où est le problème. Oh. Tu sais très bien qu'on peut pas travailler ensemble. Le groupe VetPlus possède 4 cliniques à Montréal. Si tu peux pas travailler avec moi directement,
Ben, je peux toujours m'arranger pour que tu travailles dans une autre clinique. C'est le genre de pratique qui se fait ici qui me plaît. Oh. J'ai travaillé 15 ans dans une grosse boîte. J'ai envie d'une organisation à dimension plus humaine. Oh. On est très humains. Oh. Et puis toi et moi, on est déjà associés dans le projet de production télé. Ce serait logique de continuer à collaborer. Justement, hein? On a assez d'intérêts en commun. J'ai besoin de prendre l'air un peu. Eh ben moi, je te dis d'aller prendre l'air ailleurs qu'ici! J'ai le contrôle de ma vie, tu me dicteras pas ma conduite! Et Marlène, c'est simplement une question de bon sens! Hey! Voulez-vous bien me dire ce qui se passe? Mais rien du tout, rien. J'ai apporté mes diplômes pour que vous les accrochiez au mur, et Étienne s'en allait. J'espère! Bon. Je te rappelle qu'on a une entente à son sujet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, là? Quelle entente? Si tu penses que tu vas m'enraviner comme ça, là... On va aller discuter de ça dans le bureau. Marlène, qu'est-ce qui te permet de parler? Bonjour, excusez-moi. Asseyez-vous. Ça sera pas long. Oui, t'as le gros point ici. Oui. Martino, veux-tu t'occuper de tes clients, s'il te plaît? Je vous l'avais dit. Elle a un don. Tu vois des complots partout. La seule entente qu'on a tous les deux, c'est que tu viennes pas déranger le bon fonctionnement de la clinique à tout bout de champ. Oh, j'ai pas l'habitude de faire ça. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je suis très sérieux. Je pourrais pas garder Marlène en stage si je suis obligé de t'endurer. Parfait. Dans ce cas-là, je vais être ici 10 fois par jour. C'est hors de question. Dors! Viens-t'en, Étienne. Hein? Oh, un instant. Avant que je parte, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Il faut qu'il t'ait promis des grosses affaires pour que tu viennes travailler ici, là. C'est quoi? Rien. C'est moi qui lui ai demandé de venir ici. Non, c'est impossible, ça. C'est illogique. Tu sais très bien que je peux t'offrir beaucoup plus que lui. Elle veut pas travailler avec toi. Es-tu bouché? Marlène, nos vétérinaires sont exceptionnels. Le docteur Pelletier a une spécialisation en chirurgie. On a de l'équipement à la fine pointe des dernières découvertes en médecine vétérinaire. Ils savent pas s'en servir. Je suis prêt à mettre un vétérinaire à temps plein à sa disposition juste pour qu'il prenne le temps de lui réapprendre le métier de la bonne façon. Quel métier? Celui de vendeur de moulets? Avec le caractère de cochon que t'as, là, pis ta légendaire patience, tu penses vraiment que Marlène va réussir à t'endurer? Oh, oh, oh. C'est son choix. T'auras pas un vétérinaire de sa qualité dans ta petite clinique de quartier, là, parce que c'est chez moi qu'elle va venir, puis elle va venir. Parce que je suis pas un cheap. Elle sera pas payée le même prix qu'une stagiaire. Non, monsieur. Moi, je vais la payer au même salaire que les autres vétérinaires du groupe VetPlus. Ah oui? Ben moi, je vais la payer le double. Bon. When the moon hits your eyes like a big pizza pie. That's amore. When the world seems to shine like you had too much wine. That's amore. Bell that rings. Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling. Ah, c'est cool. Qu'est-ce que c'est ça? Mais voyons, c'est Dean Martin, Chad. Dis-moi pas que tu connais pas Dean Martin. Ah, ça avait du charme, cet homme-là, du charisme. Ça va pas Frank Sinatra. C'est bien, Frank Sinatra et les Italiens, ça couche ensemble. Mais t'as raison, c'est difficile de trancher entre les deux. Moi, j'ai vu tout le film. Je viens de m'acheter un nouveau DVD, là, puis je suis tout en train de me racheter tous les grands classiques du cinéma. On devrait se faire une petite soirée de filles puis écouter Casablanca ensemble, hein? Ah, oh, c'est tellement bon, ce film-là. Moi, je braille à chaque fois que je le vois. Puis l'autre, là, Lina, Singing in the Rain. Ah, oh, les numéros de danse là-dedans, Singing in the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing out loud. So oui, c'est moi. Up above. I'm singing and dancing okay, in the rain. At the top of the deep. Qu'est-ce que se passe? C'est Juliette. C'est la garderie qui vient de me téléphoner. Elle fait de la fièvre. Faut que j'aille la chercher. Oh, je m'excuse, je vais être obligée de vous laisser avec tout ça. Ne t'inquiète pas avec ça. Va chercher la petite, on va s'arranger. Ben oui, vas-y. OK, merci. Oh mon Dieu, je suis contente de ne pas avoir eu d'enfant. Moi, je serais devenue fou, tu sais. Une chance que tu n'as pas eu d'enfant. Hein? Je serais devenue fou. I'm singing and dancing in
de rent. Ah, Pamela, je te cherchais. Voici mes diplômes. Tu les installes dans le couloir de préférence ou dans une des salles de consultation. Et puis, j'ai essayé quelques-uns de vos sarraux. Ils sont trop petits. Ça me sert aux entournures et puis, ils sont vraiment pas tendance. Non, je vais apporter les miens. Mais il faudra faire extrêmement attention à les lavant. Je veux pas les retrouver tout tachés. C'est pas moi qui fais le lavage. Et tu le diras à la personne concernée. Ou mieux, tu me l'enverras. Comme ça, je serai certaine que mes instructions sont bien suivies. Et puis aussi, j'aimerais savoir où je peux déposer mes choses dans le bureau pour que ça dérange le moins possible. Dans les salons, docteur Constantin. Mais voyons donc, je veux pas déranger Pascal pour des bagatelles. C'est un homme occupé. Et moi aussi, je suis occupée. Et j'ai pas de temps à perdre avec vos bagatelles. Pamela, hein? Je sais que t'as peut-être des raisons de m'en vouloir, mais moi, j'ai jamais rien eu contre toi. Non, je crois qu'on devrait partir sur de nouvelles bases. Non plus comme des rivales, mais comme des compagnes de bureau. Vous serez jamais ma compagne de travail. Et attendez-vous à aucune collaboration de ma part. Vous, vous avez essayé de voler mon mari. Et ça, je vous le pardonnerai jamais. Bon, si tu le prends comme ça... Idéalement, je le prendrai pas du tout. Mais j'ai pas le choix. Comme tu veux. Ah, puisque tu sembles être responsable du café, arrange-toi donc pour en avoir du décaféiné. C'est uniquement ça que je bois. Et puis, oublie pas de t'occuper de mes diplômes. Tiens, tes diplômes. Chantal, entre. Salut, je te dérange? Non, ça va. C'est juste Juliette qui fait le pot. J'ai eu le message de Louis pour le loyer. Je suis désolée d'être encore en retard. Non, non, c'est correct. C'est juste que c'est un petit peu fatigant d'être obligée de t'appeler à chaque fois. Hein. Mets le chèque sur la table. C'est que j'ai pas de chèque. J'attendais un paiement, puis c'est pas encore rentré. Je vais vous payer dès que je le reçois, là. Je vous paye tout le temps. Écoute, Louis te téléphonera ce soir, là. Tu t'arrangeras avec lui. Qu'est-ce qu'elle a, la petite? Oh, je sais pas. Je me demande si je devrais aller à la clinique ou non. Je t'inquiète, je l'ai jamais vue malade comme ça. Est-ce qu'elle fait beaucoup de fièvre? 38,5. Bah, elle bave beaucoup. C'est peut-être juste les dents. Ah oui, tu penses? T'as l'air de connaître ça. J'ai travaillé 2 ans en garderie. Des bébés malades, j'en ai vu. Ah oui? Ben, si jamais t'es mal prise, là, que t'as pas de gardienne ou que la petite est malade, faut que t'aies travaillé, gêne-toi pas. Si je suis là, ça va me faire plaisir. Ça compensera un peu pour mes retards. Je suis pas une paresseuse, tu sais. C'est juste que travailler à pige, c'est pas toujours évident. Ah oui, je le sais. Mais sais-tu, je vais peut-être te prendre au mot. Nous autres, on est dans un rush à l'atelier. Si jamais Juliette est encore malade demain, on pourra pas aller à la garderie, hein? Ça me rendrait vraiment service. Appelle-moi, je suis là. Ben, OK. Merci. Martineau, j'ai repensé à mon affaire au sujet de Marlène. On la prend pas? Parfait. Non, non, on va la prendre. Je peux pas revenir sur ma décision comme ça. Non, puis en plus, je sais qu'elle va rapporter beaucoup à la clinique. C'est votre opinion. Vous me l'avez donné de long en large. Je vois pas ce qu'il y a de neuf là-dedans. Et ce qui a changé, c'est que... Ben, je trouve qu'on a l'air d'une belle gang de cheap en la peignant pas. Quoi? Mais oui! Je veux pas avoir l'air d'un gratteux aux yeux de la profession. Tu sais comment ce qu'ils tiennent, hein? Si on paye pas Marlène, tout le monde va le savoir. Ah oui, mais pis ça, elle a accepté de venir ici gratuitement. Il n'est pas question qu'on la paye. Le seul avantage de l'avoir, là, c'est qu'elle coûte rien. Je la paierai pas pour qu'elle vienne faire ses gaffes chez nous. C'est hors de question. C'est que... Ben, je me suis engagé à... lui verser un salaire. Quoi? Êtes-vous tombé sur la tête? On n'a pas besoin d'elle, on y versera pas une scène, c'était ça l'entendre. Si ça fait pas son affaire, qu'elle aille ailleurs.
Ah, mais je suis convaincu qu'il faut lui donner quelque chose, hein? C'est symbolique. Non, je suis pas d'accord, puis Maud sera pas d'accord non plus. Puis si vous y tenez tant que ça à la payer, là, prenez le don sur votre part des revenus, puis ça finit là, OK? OK. Belle attitude. Je te félicite pour ton esprit d'équipe. Vous réussirez pas à me faire sentir mal. Là, excusez-moi, là, faut que je m'en aille, ma fille est malade. C'était assez bon chez Julie à midi. Ça faisait longtemps que j'avais pas bien mangé de même. Je peux pas croire que t'es juste capable de te faire réchauffer du canage. Ça fait 2 ans que t'es en appartement, Yannick. C'est pas ça. Je suis cassé comme un clou. J'attends ma bourse du gouvernement, puis elle arrive pas. Je peux t'en passer, si tu veux. Non, je vais m'arranger. Je vais chez ma mère en fin de semaine. Je vais essayer de faire assez pitié pour qu'elle me fasse une épicerie. Mais des fois, ça marche. Écoute, tu viendras souper une coupe de soir cette semaine chez nous, si tu veux. À soir? Ce soir, ce serait mieux pas. Ça raffine pas tellement. J'ai remarqué ça, oui. Paraît qu'elle a laissé son chum. Ben, les nouvelles vont vite. C'est Julie qui m'a conté ça à midi. Elle était pas tellement surprise. Son chum l'a été, lui. Il s'en attendait pas, pantoute. C'est parce qu'il voit pas à quel point elle s'entend bien avec son co-là. Hey, fais attention à ce que tu dis, toi. Sarah et moi, on est des amis, un point, c'est tout, OK? J'ai une blonde, moi. Fâche-toi pas. Ça me regarde pas, ce qui se passe entre vous deux. Il se passe rien, OK? OK. OK, on y va. Allez. Charles, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, faut qu'on se parle, là. Ça peut pas s'arrêter comme ça. C'est pas le temps, là. Mon cours va commencer. Va m'attendre à l'appartement, on parlera tantôt. Laisse faire le cours, là. Bien? Je t'ai dit tantôt. Il y a trop de santé ici, on va aller faire un tour, là. Mais j'ai pas le goût. OK, lâche-la, le laisse-la tranquille. Hey, toi, là. Mêle-toi de tes affaires, OK, là? C'est correct, Jean-René, j'irai pas au cours. Tu ramasseras mes affaires, OK? T'es sûr? Je le trouve pas mal agressif, lui. Agressif? Ouais. Tu me trouves agressif, toi, là? Ouais. Ben oui, je le suis. Pis ça, là, c'est à cause de toi, mon sacrament. Ah ouais, viens-t'en. OK, lâche-la. Hey, t'es malade! Ah, es-tu correct? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Jean-René voulait bien comprendre les mécanismes de la coagulation sanguine. Va te nettoyer ça. Je vais y aller avec lui. Moi aussi. Toi, tu rentres en classe. La prochaine fois, arrangez-vous donc pour régler vos problèmes à l'extérieur de l'université, ou du moins, pas pendant mon cours. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. Oh. Adore. Si elle fait encore de la fièvre en se réveillant, là, on ira à la clinique. Ouais. Mais ce qui m'achale le plus, là, c'est qu'on pourra pas aller la porter à la garderie si ça va pas mieux. Puis moi, ben, je peux pas prendre 2 journées off. Bon, ben, une affaire à la fois, là. Je vais aller brasser la cage à Chantal. Elle s'est même pas donné la peine de me rappeler. Elle, là, si elle a pas l'argent du loyer, elle je te dis... Elle a pas l'argent. Elle me l'a dit tantôt. Elle l'a pas? Bon, ben, c'est assez, là. Je la mets dehors. Je suis tannée. On n'est pas une œuvre de charité. Attends, chaton. Elle va nous payer. Elle nous a toujours payé. Quoi? C'est toi qui me dis d'attendre? Un matin, tu voulais qu'on la mette à la porte, là, puis là, tu plaides sa cause. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde dit son capot de bord. Regarde. Calme-toi, là. Hein? Elle va nous payer, je te le dis. C'est une fille fiable. C'est juste qu'elle est dans une mauvaise passe, là. Elle a pas beaucoup de contrats qui rentrent. Je te comprends pas, Isabelle. Fais-moi confiance. Savais-tu ça, toi, qu'elle a travaillé dans une garderie 2 ans? Non, je le savais pas. Ah oui? Je te dis que t'es une petite vite.